Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle signe un protocole en tant que plusieurs maisons d'édition jeudi 14 décembre pour créer une bibliothèque dans l'école. L'objectif de ça, c'est valoriser l'accès à lecture, encourager l'auteur et puis rendre disponible ouvrage auteur haïtien d'après le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Maniga. Ensuite, plus d'explications ministre dans le micro Lounel Jean-Louis et Théodore. Là, il y a public-privé. Côté que l'État reconnaît qu'il n'a pas qu'à faire travail ça pour col. Et il cherche un partenariat avec maison d'édition pour que son partenariat gagnant-gagnant, public-privé, pour que nous fassions plus de connaissances circuler dans le pays à travers la bibliothèque dans l'école. Qui gens ça fait pour. Le ministère de l'Éducation nationale l'immobiliser le Fonds national d'éducation pour que il fasse deux bagailles. Continuer à produire manuels scolaires. L'autre objectif, là, tout, dans le partenariat, ça, c'est encourager auteurs, jeunes auteurs, professionnels, vétérans. Parce que dans le partenariat public-privé, sous chaque 100 livres que le partenariat ça a, à mettre nos bibliothèques, l'État a financé 80 et maison d'édition l'a porté 20 livres. Donc, qui donc son effort national? C'est pour un bagage gouvernemental, son effort l'État, société civile, son partenariat gagnant-gagnant public-privé. Ça permet que élèves haïtiens, étudiants haïtiens, aient plus accès à auteurs haïtiens, à livres haïtiens, que ce soit auteurs qui pas existent encore, mais auteurs contemporains. Et c'est un bagage qui est intéressant dans le protocole là, c'est que les maisons d'édition ont engagé pour que vous mobilisez auteurs puis vous participez dans l'animation bibliothèque.